Ce mur à percer n'est pas impossible qu'il devienne invisible. À mon avis, c'est ce qu'il faudrait faire. Andy? Je suis juste là. Où ça? Ah! Juste derrière toi, t'es aveugle ou quoi? Non, mais... t'es devenu invisible. C'est vrai? Je suis invisible? Enfin, pas pour longtemps. Va te mettre près de la porte, je vais inverser la formule. Attends, tu plaisantes? Je vais pouvoir attraper Mia par surprise. Quoi? Non, Andy, attends, reviens! Andy, reviens ici! Pas la peine de flipper, je suis encore là. Et en attendant, j'ai comme l'impression que j'avais raison. Wow! T'as été inspirée? N'est-ce pas? Je sais quand même flairer la supercherie, moi. Je vois que la directrice avait son petit jardin secret. Andy? Andy? Bouh! Ah! Arrête un peu! Oh, décidément, c'est trop bien, j'adore! Qu'est-ce que je me marre? Ok, écarte-toi. Je vais nous faire un brin de ménage. Moins longue sera l'affaire si ces boîtes se trouvent par terre. Alors. C'est génial. Il est pas là. Attends, il en reste une. Ce serait pas ça, par hasard? On dirait bien. C'est lui. Je l'ai trouvé. J'ai le cristal, j'ai le cristal. Emma va pas en revenir. Désolé. Non, non, je t'en prie. Continue. Très amusant. Je préfère que tu remettes le cristal dans la boîte, que ça n'altère pas mes pouvoirs. Il faut vite qu'on l'amène à Emma. Bien. Va te mettre contre la porte que j'inverse le sort. Tu plaisantes? Je vais pouvoir coincer Mia par surprise! Allez, salut! Attends, Andy, attends! Arrête, Andy, reste là! Si je renverse pas la formule, je vais avoir des ennuis avec le conseil, tu sais bien que c'est interdit! Andy!